Les orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. C'est pas une situation intéressante de constater que il y a des hommes qui en veulent à ta vie. Des hommes qui en veulent à la vie de ton père, la vie de ta mère. Des gens qui en veulent à la vie de tes enfants. Ce n'est pas un truc agréable. Mais le monsieur ici, il adresse une prière à Dieu en ce moment où des hommes en veulent à sa vie. Il dit, des troupes violents en veulent à ma vie. Psaume 83, verset 3. Psaume 83, verset 3. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent. Exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concessent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. C'est des choses qui ne sont pas agréables. Quand des alliances se traitent, des complots se forment, rien que pour exterminer, éliminer, détruire l'innocent, celui qui n'a rien fait. Mais ici, c'est ce que nous lisons dans la Bible, verset 13 de Psaume chapitre 118, Psaume 118, verset 13. La Bible dit, tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Ce soir, je suis venu annoncer de la part de l'Éternel que celui qui complote, celui qui en veut à ta vie, celui qui pousse pour te faire tomber, tombera lui-même ce soir au nom de l'Éternel des armées. Il dit, tu me poussais pour me faire tomber. L'ennemi est toujours là, complotant, voulant faire tomber quelqu'un, voulant exterminer quelqu'un, voulant anéantir le bon projet que Dieu a sur la vie de quelqu'un. Mais Dieu est aussi là pour secourir. Verset 13, Psaume 118. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Ce soir, il y aura le secours de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Le secours de l'Éternel, pourquoi? Parce que il y a la promesse de Dieu pour nous. Et c'est cette promesse que nous voulons réclamer dans la prière. Je suis en train de lire ces versets et je vais les répéter pendant la prière. La promesse que Dieu déclare dans Somme, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15. 54, verset 15 d'Ésaïe, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quelle que soit la réalité qui prévaut dans ta vie, quels que soient les défis, quel que soit le nombre des opposants, quelles que soient les alliances qui ont été conclues, quels que soient les complots qui existent et qui subsistent jusqu'à ce jour, je suis venu ce soir faire alliance avec quelqu'un pour que des complots qui ne viennent pas de l'Éternel soient déjoués. Je suis venu ce soir pour que les armes qui sont forgées contre quelqu'un soient sans effet ce soir et que des langues qui s'élèvent contre quelqu'un soient condamnées ce soir. Parce que la parole de l'Éternel est claire, si l'on forme des complots contre les enfants de Dieu, cela ne vient pas de l'Éternel, et parce que ce n'est pas venu de l'Éternel, moi, en tant que serviteur de l'Éternel, j'ai le pouvoir d'anéantir, j'ai le pouvoir de détruire, j'ai le pouvoir de renverser ce qui ne vient pas de l'Éternel. Amen. Psaume chapitre 86. Psaume 86, je lis le verset 16 et le verset 17. Je vais t'apprendre quelque chose que ceux qui t'ont devancé ont fait au milieu des hostilités, au milieu des défis et des alliances qui sont serrées dans le but de détruire à leur vie. 86, verset 16. Tourne vers moi le regard. Et aie pitié de moi, donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Au nom de Jésus-Christ, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Opère un signe en ma faveur. Ce soir, ce sera une soirée de prière. Et une prière sérieuse. Où quelqu'un, parce qu'il est conscient de ce qu'il y a quelqu'un qui le pousse, qui veut le faire tomber. Peut-être que tu l'as vu déjà dans ton rêve. Peut-être que tu l'as vu déjà. Il est venu physiquement te défier. Peut-être qu'il a envoyé un message pour qu'on vienne te délivrer le message. Quel que soit le cas, la Bible dit quand on forme des complots, ce complot ne vient pas de l'Éternel. Numéro 1, quand on forme complot, ça ne vient pas de l'Éternel. Et parce que ça ne vient pas de l'Éternel, la Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. La Bible dit que toute personne qui se lèvera contre toi en justice, toute langue qui parle, qui prononce, qui envoie des incantations, sera condamnée ce soir. Ce soir, il est question que quelqu'un se lève dans la prière. 83 de Psaume, verset 1, verset 2. Oh Dieu, ne reste pas en silence. Il est question que quelqu'un dise, Seigneur, sur mon sujet, sur mon dossier, ne reste pas en silence. Dans cette affaire, il y a des hommes qui me poussent, qui veulent me faire tomber dans un gouffre. Ne reste pas en silence. Il y en a qui me poussent et qui veulent pas voir mes efforts aboutir. Ne laisse pas en silence. Ne te tais pas et ne te repose pas. Oh Dieu, des hommes se lèvent contre moi. Pourquoi tu vas prier ce soir? Parce qu'il y a la possibilité que Dieu exauce ta prière. Il y a la possibilité que ce qui a été réalisé contre ta vie, contre ma vie, contre Christian Fellowship, il y a la possibilité que cela soit renversé.
il y a la possibilité pour que l'effort de l'ennemi soit anéanti. Ésaïe, chapitre 8, verset 10. Former des projets, ils seront anéantis. Former des projets, ils seront anéantis. Allez comploter contre nous, ils seront anéantis, tout ce que vous complotez. Pourquoi? Former des projets, donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, mon frère. Ma soeur, Dieu est avec nous à Christian Fellowship. Et que celui qui forme des complots, celui qui programme des choses, celui qui médite le mal, celui qui en veut à ma vie, celui qui en veut à ta vie, la Bible dit qu'il donne des ordres. Ce soir, dans nos prières, ces ordres seront anéantis. Ces ordres seront sans effet. Dieu l'a fait. Il a fait au temps de Néhémie. Quand Dieu lui a confié la mission d'aller rebâtir les murailles, il y a eu des ennemis contre Néhémie. Ses ennemis ont formé des projets. Ses ennemis ont formé des complots. Mais Dieu a anéanti leurs complots et leurs projets. Et ce sera notre cas ce soir. Néhémie chapitre 4, verset 15. Néhémie chapitre 4, je lis le verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Dieu anéantit leur projet. Je prie pour toi que le projet de l'ennemi soit anéanti ce soir. Dieu anéantit leur projet. Quelle que soit la réalité que nous sommes en train de vivre, quelle que soit la connaissance que tu as des complots et des conspirations contre ton progrès, des complots et des conspirations contre la mission que Dieu t'a confiée, des complots et des conspirations contre ta vie, il y a la possibilité que ces complots, que ces projets soient anéantis. C'est pour ça que je suis venu prier. Et c'est pour ça que tu es venu prier. Que ce qui subsiste contre ta vie soit anéanti ce soir. Ce qui subsiste contre ton avenir soit anéanti ce soir. Ce qui subsiste contre ta promotion et ton progrès soit anéanti ce soir. Que ce qui a été donné contre ordre, comme ordre concernant ton progrès, concernant ton succès, concernant ton épanouissement, dans le but de te bloquer. Ce soir, quelqu'un peut prier. Celui qu'on pousse, on te pousse, on te pousse, on veut te faire tomber dans le gouffre. Ce soir, tu peux prier. Et quand tu vas prier, les conspirations de l'ennemi seront anéanties. Le projet sera anéanti. Et Dieu va voler à ton secours. Généralement, quand on vient ici comme ça pour prier, il y a des gens, ils n'ont pas envie de prier. Ils n'ont pas le désir de crier au secours à Dieu. Ils sont là. La chose a commencé. Il a commencé par sentir qu'on est en train de le pousser. Mais il ne veut rien faire. Jusqu'à ce qu'on va le faire tomber dans le gouffre. Et on va faire annonce que finalement l'ennemi l'a eu. Je prie que cette annonce ne te concerne pas. Alléluia. Je prie que cette annonce ne te concerne pas. Mais que ce qu'on va dire de toi, je vais te dire ce que je veux qu'on dise de toi. C'est pourquoi je t'invite à prier ce soir. Ce que je veux qu'on dise de toi, Psaume 118, je lis le verset 10. Toutes les nations m'environnaient. Verset 11.
Elle m'environnait, m'enveloppait. Verset 12. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle m'environnait comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Celui qui parle ainsi, ça veut dire qu'il est déterminé à remporter la victoire. Il est déterminé à remporter le combat à genoux et dans la prière. Tu conspires contre moi, tu donnes des ordres contre moi, tu as donné des consignes à mon sujet pour me bloquer, mais au nom de l'Éternel, ces ordres seront sans effet. Ces ordres seront sans effet. Il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je prie que quelqu'un ne soit pas passif ce soir. Celui qu'on est en train de pousser, que celui-là crie ce soir, l'Éternel va le secourir et le Dieu Tout-Puissant va anéantir les complots et les conspirations de l'ennemi contre ta vie. Donc ce soir, il est question que les complots, les conspirations contre ta vie soient anéantis. Tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord. Il y a des gens qui dorment. Tu es d'accord? Si tu es d'accord, on va prier. C'est contre ta vie qu'il y a la conspiration, c'est pas contre ma vie. C'est contre ta vie. Et ceux avec qui il y avait des complots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié. Il dit, ne reste pas en silence. On est en train de comploter contre ma vie, Seigneur. On est en train de me pousser. Tu me poussais pour me faire tomber. Celui qui te pousse pour te faire tomber, il tombera ce soir au nom de l'Éternel. Alléluia. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Jésus. Abala. Toi. Thank you.
en veux à ta vie. Ce soir, Seigneur, ne reste pas en silence. Ma vie, mon avenir, mon mariage, ma promotion, ce soir, tu vas l'arracher. Tu vas le décrocher ce soir. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on conspire dans le royaume des ténèbres, si quelqu'un dit tu vas voir, la Bible dit cela ne vient pas de moi. Toute langue qui s'élèvera contre moi, je me tiens sur cette promesse. La Bible dit toute langue qui s'élèvera contre moi sera condamnée. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Seigneur, je prie que quiconque se ligue contre moi, qu'il tombe sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque se ligue contre moi. Quiconque se ligue contre mon avenir. Quiconque se ligue contre mes études. Quiconque se ligue contre mon mariage. Quiconque se ligue contre mon avenir. Je suis venu prier. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Est-ce que tu vas te laisser avant de pousser et jusqu'à ce que tu ne tombes pas? Tu vas laisser et tu seras poussé jusqu'à tomber. Alors qu'il y a toutes ces promesses dans la Bible pour toi, était-elle le salut
qu'il viendra de moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Des réunions ont été organisées. Des séances ont eu lieu. Des rencontres dans le monde spirituel ont eu lieu. Et l'objectif le plus visé, des délibérations t'ont concerné. Et ces délibérations disent qu'il soit exterminé, qu'il ne vit plus, que son diplôme soit exterminé, que son mariage soit exterminé, que son avenir soit exterminé. Ils concertent tous de même cœur contre toi et ils font des alliances contre toi. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas croiser les bras devant cette délibération. Tu ne vas pas croiser les bras devant cette délibération. Et tu vas prier, tu vas dire Seigneur, 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 qu'il soit confus, qu'il soit confus, qu'il soit confus. Ceux qui ont délibéré, ceux qui ont parlé, que ceux qui se sont rencontrés pour méditer mon échec, ma ruine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qu'ils ont dit ne se réalise pas, ce qu'ils ont planifié ne se réalisera pas, la mort ne viendra pas, les accidents ne viendront pas, la maladie ne viendra pas. Au nom de Jésus, je les taille en pièces, quel que soit le nombre. Des gens ne prient pas, ouvre la bouche et prie. Rentre dans ta destinée, ma soeur, mon frère, rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée. Tout ce qu'on a délibéré contre ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit renversé. Oui, non. Fuck.
Celui qui a dit, tu vas voir que le Seigneur le conforte de ce soir. Seigneur, je viens trouver un refuge en toi ce soir. Je viens trouver un refuge chez toi, Éternel, ce soir. Un refuge contre mes adversaires. Un refuge contre mes ennemis. Un refuge contre ceux qui ne veulent pas me voir progresser. Je viens cacher mon avenir entre tes mains, Seigneur. Je viens cacher mon avenir entre tes mains ce soir. La grâce infinie de Dieu soit en toi, au labeur de Dieu. Et béni le roi, chantons et bénissons. Thank you.
refuge. C'est toi mon refuge. C'est toi mon refuge. Ma vie sera un succès. Ma vie sera un succès. Ma vie sera un succès. Je vais me marier. Je vais me marier. J'aurai des enfants. Je les ferai grandir. Je réussirai mes études. Seigneur, quel que soit le complot, mon refuge c'est en toi. Ceux qui te poussent pour te faire tomber dans la honte, pour te faire tomber dans la mort, pour te faire tomber dans l'humiliation, c'est moi j'appelle. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir prématurément. Je refuse de mourir parce que les sorciers sont indiqués contre moi. Let's
Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Quand je prie, mon Seigneur, par ma foi. Quand je prie, mon Seigneur, formez des projets dans votre atelier. Sorciers, formez des projets dans vos réunions. Esprit familier, formez des projets. Nommez des coordinateurs pour ces projets. Formez des projets de mort. Formez des projets d'accident. Formez des projets d'échec. Ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Quand je viendrai à fellowship, ces projets seront anéantis. Alors mon frère, l'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. Pour que ce que Dieu a fait au temps de Néhémie, que Dieu le fasse en ton temps. Les projets qu'on a formés, ces projets doivent être anéantis ce soir. Ces projets doivent être anéantis ce soir. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Les projets qui ont été formés. Seigneur, je prie contre ma vie. Les projets formés. Je demande que ce projet soit anéanti au nom de Jésus. Que ce projet soit anéanti au nom de Jésus. Que le projet soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Que le projet soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Ils seront sans effet. Donnez des ordres. Ils seront sans effet. Je prie que les ordres donnés contre ta vie par les démons soient sans effet ce soir au nom de Jésus Christ. Dieu, toi qui as anéanti les projets des ennemis de Néhémie, nous t'invoquons ce soir.
Ma soeur va se marier. Mon frère va se marier. Dieu de gloire. 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 Anéanti ce soir, que le projet Seigneur soit anéanti au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je l'aime Dieu, nous t'aimons beaucoup Seigneur, nous t'aimons beaucoup Seigneur, tu nous as fait savoir, au nom de nos ennemis, nous sommes tes ennemis, nos ennemis sont tes ennemis, et je l'aime Dieu, et je l'aime Dieu, je ne pas ta force, ta parole, de ta parole. On me pousse pour me faire tomber. Seigneur, ne reste pas en silence. Seigneur, ne reste pas en silence. Que le projet soit anéanti. Que le projet soit anéanti. Je suis en train de prier. Je me programme victorieux. Je me programme victorieux. Au nom du puissant de Jésus. Au nom du puissant de Jésus. Le diable ne va jamais me garder. Il ne va jamais me garder. Il ne va jamais me garder. Parce que tu es mon attaquant. Tu es mon attaquant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le projet formé contre Christian Fellowship. Partout et dans n'importe quelle réunion, on délibère contre ce groupe. Je suis venu ce soir pour anéantir ce projet au nom de Jésus-Christ. Je veux faire alliance avec toi pour détruire, pour démanteler, pour renverser le projet de l'ennemi contre ce groupe. La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre cette église. Au nom de Jésus-Christ, mon frère prie. Le projet de maladie contre ce groupe. Pour qu'il y ait un frère qui tombe malade. Pour qu'il y ait une soeur qui tombe malade. J'anéantis ce projet. Au nom de Jésus-Christ. Le projet du diable. Que ce projet soit renversé. Le projet de malheur soit anéanti. Le projet d'échec soit anéanti. Le projet de mort soit anéanti. Le projet de retard dans la vie. Que cela soit anéanti. Que la bonté de l'Éternel soit grande avec ce groupe. Et que Dieu délivre notre âme des séjours profonds de la mort. Au nom de Jésus, ça n'a pas aucun devoir, aucune idole, aucune idole, aucune idole, aucune puissance terrestre, ça n'a pas ta ta forme. Qui a délibéré et qui a dit que nous n'irons pas de l'avant? Je les taille en pièces ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu les mitrailles par ta puissance. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi, dans le camp des adversaires, dans le camp de celui qui a dit que je n'irai pas de l'avant. Tu ne veux pas nous vaincre, oh roi des rois, tu nous as déjà donné la victoire, tu nous as déjà donné la victoire. Éternel, tu es le commencement et la fin. Seigneur, tu es le commencement avec nous, parce que tu as déjà fini avec nous, tu as déjà accompli la mission avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'Église
Your front, l'église est triomphante. Si tu connais ça, il faut chanter. Après ça, je veux prier. Formé contre Christian Fellowship. Partout et dans n'importe quelle réunion, on te libère contre ce groupe. Je suis venu ce soir pour anéantir ce projet au nom de Jésus-Christ. Je veux faire alliance avec toi pour détruire, pour démanteler, pour renverser le projet de l'ennemi contre ce groupe. La Bible dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre cette église. Au nom de Jésus-Christ, mon frère prie. Le projet de maladie contre ce groupe, pour qu'il y ait un frère qui tombe malade, pour qu'il y ait une soeur qui tombe malade, j'anéantis ce projet. Au nom de Jésus-Christ, le projet du diable pour que ce groupe n'atteigne pas les objectifs fixés par Dieu. Que ce projet soit renversé. Le projet de malheur soit anéanti. Le projet d'échec soit anéanti. Le projet de mort soit anéanti. Le projet de retard dans la vie, que cela soit anéanti. Que la bonté de l'Éternel soit grande avec ce groupe. Et que Dieu délivre notre âme des séjours profonds de la mort. Qui a délibéré et qui a dit que nous n'irons pas de l'avant? Je les taille en pièces ce soir au nom de Jésus-Christ. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi, dans le camp des adversaires, dans le camp de celui qui a dit que je n'irai pas de l'avant. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'église triomphante, l'église est triomphante.
Christ, le bon enfant ne prévaudra l'église. Esprit, enfant, le bon enfant ne prévaudra l'église. Esprit, enfant. Si tu connais ça, il faut chanter. Après ça, je vais prier. Celui qui est ici,
qu'on est en train de pousser pour qu'il tombe. Celui qui est environné des hommes orgueilleux et violents. Celui qui a fait objet de délibération dans les réunions diaboliques, sataniques, machiavéliques. Celui qu'on a dit qu'il ne vivra plus. Celui qu'on a dit il va faire n'importe quel effort. Il ne fera jamais la fierté de ses parents. Celui qu'on a dit il va mourir avant le terme fixé par Dieu sur sa vie. Celui qu'on a dit qu'il ne va pas se marier. Celui qu'on a dit qu'il ne va pas toucher au bonheur. Il fera le bonheur de près, mais il ne touchera pas à ce bonheur. Je suis venu au nom de l'Éternel des armées. Je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en vertu du pouvoir, en vertu de la puissance qui est dans ce nom, et en vertu du sacrifice qui a été fait pour que ceci ait la vie, j'annule la sentence de la mort ce soir. J'annule les projets de la mort ce soir. J'annule le projet de maladie ce soir. J'annule le projet de malheur ce soir. J'annule le projet d'échec ce soir. Je déclare sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes serviteurs, que ceux-ci, toute langue qui s'élève contre eux, cette langue est condamnée, cette langue est maudite. Tout projet qui a été formaté, la Bible dit, ça ne vient pas de Dieu. Et à ma qualité de serviteur de l'Éternel, ce qui ne vient pas de Dieu, j'ai le pouvoir de détruire. Seigneur, je détruis ce qui a été fait dans les réunions nocturnes. Je détruis ce qui a été fait sous la mer. Je détruis ce qui a été fait dans la réunion des sorciers. Je dis ceci, ils vont rentrer dans leur destinée au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas. Nous accomplirons le nom de notre jour sur la terre. Celui qui vient physiquement rencontrera notre Dieu. Amen. Celui qui vient spirituellement sera dévoré par le lion de la tribu de Juda. Celui qui a dit le gars là ne va pas émerger, la dame là ne va pas émerger, il sera là. Il ne mourra pas. Et sous ses yeux, devant lui, la grande puissance de Dieu va t'élever, va t'élever, va t'élever, t'élever, t'élever bien au nom de Jésus. Seigneur, ne reste pas en silence. Ça, c'est un peuple que tu as racheté par ton sang. Et c'est contre ce peuple que les ennemis ne dorment pas. Toute personne qui ne se donne pas du repos à cause d'une sœur et à cause d'un frère ici, elle ne mourra pas. Elle sera là. Et la puissance de Dieu va te propulser en haut au nom de Jésus. Seigneur, je prie que l'homme tiré de la poussière cesse d'inspirer le froid. Que les orgueilleux et les hommes violents cessent d'inspirer le froid. Nous avons le Dieu grand et redoutable avec nous. Et je prie que ce Dieu grand et redoutable dans tous les domaines de notre vie se montre redoutable. Amen. Se montre imbattable et invincible. Amen. Que le moindre détail des promesses que nous avons lues ce soir soit accompli dans la vie de chaque soeur, amen, dans la vie de chaque frère, amen, avant que nous franchissions les portes de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, opère un signe
en faveur d'un frère, en faveur d'une sœur ici, que l'ennemi foie et qu'il soit confus. Amen. Que l'ennemi foie et qu'il soit confus. Amen. Je prononce plus de gloire sur la vie d'une sœur ici. Amen. Plus de gloire sur la vie d'un frère ici. Amen. Je prononce l'élévation sur ta vie. Amen. Je prononce la percée sur ta vie. Amen. Je prononce que Dieu te mette au large. Amen. Que Dieu te mette au large. Amen. Là où tu n'as jamais pensé que tu vas arriver. Parce que tu es venu prier ce soir. Dieu te fait grâce ce soir. Amen. Tu vas rencontrer bonheur sur bonheur. Amen. Grâce sur grâce. Amen. Faveur sur faveur. Amen. Bonté de l'éternel sur bonté de l'éternel. L'ennemi sera confus à cause de toi. Amen. Tous ceux qui grincent des dents, ils mangeront leur propre chair. Amen. Ils boiront leur propre sang. Amen. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Le malheur, c'est loin de toi ce soir. Tu es sécurisé avec Amen. Le nom de l'Éternel. Amen. Tu es sécurisé dans le sang de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour Christian Fellowship. Amen. Tous les membres de ce groupe, partout où ils sont dans le monde, opère un signe à leur faveur. Amen. Opère un signe à leur faveur. Amen. Celui qui est troublé, celui qui est confus, celui qui se demande si le soleil va se lever pour lui, qu'il voit son soleil ce soir au nom de Jésus. Amen. Qu'il voit le soleil se lever dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es découragé et dégoûté de la vie, que Dieu te console ce soir. Amen. Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as exaucé. Je parle sur ce groupe. Je parle la percée sur ce groupe. Je prononce la bénédiction spirituelle, la bénédiction prophétique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la bénédiction financière. Je prononce sur ce groupe. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous posséderons les portes de nos adversaires et de nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de démon, il n'y aura pas d'esprit qui pourra nous résister. Parce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, et avec nous comme un héros puissant. Amen. Je parle surtout les frères et les sœurs de ce groupe. Il y a un signe de victoire sur ta vie. Amen. Un signe de domination sur ta vie. Amen. On ne pourra pas t'oppresser dans ton rêve. Amen. On ne pourra pas t'oppresser au service. Amen. On ne pourra pas te tricher partout où tu te trouves. Amen. Car l'Éternel combat pour toi ce soir. Amen. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'as exaucé. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Amen.